Let's go. You should always stay focused. Ballers and ballerettes, what's up? Coach Max avec vous. Comment allez-vous dans l'univers du basketball? Comment ça se passe? Moi, je vais bien. On continue les workouts. On continue les matchs dans les parcs, les 3 contre 3. Commence à faire un peu froid, guys. C'est le temps de sortir le hoodie, mais hein, on aime qu'est-ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on est des ballers, ball is life. Mais oui, c'est vrai, commence à faire un petit peu frisquet. Donc, bon, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? J'ai du 3 contre 3. Je sais pas si je vous l'avais expliqué la dernière fois sur la dernière vidéo, mais le 3 contre 3 que j'avais justement post, mais les gars contre qui on avait joué, j'ai du tape pendant 39 minutes. On avait du tape pendant au moins 39 minutes contre les mêmes gars. Fait qu'est-ce que j'ai fait? Fait que j'ai coupé ça en deux, chop chop, et puis bon, là je vous donne du 3 contre 3 avec les mêmes gars encore. C'est partie 2 de qu'est-ce qu'on avait la semaine passée. Donc, j'ai encore le 5 contre 5. J'attends encore avant de vous le poster. Bon, en espérant que cette semaine, la température soit présentable, nice, pour qu'on puisse continuer les 3 contre 3. Sinon, what else, man? Hey, le bubble, Milwaukee, sont fait éliminer en 4. Giannis is out. J'avais pris Miami, honnêtement. J'avais dit Miami allait sortir. Milwaukee, tout le monde me disait... Je m'attendais pas à ce qu'il se fasse sortir en 4. Je vais pas mentir, je pensais pas que ça allait se faire en 4. Mais bon, hein, c'est arrivé, c'est fait. Ce soir, c'est les Raptors, si je me trompe pas. Je pense pas que les Raptors vont passer. Boston joue de la très bonne défense. S'il y a quelque chose que vous devez regarder, guys, regardez les matchs. Boston, Toronto, oui, ça se peut que ce soir ça soit le dernier, mais regardez-les. Parce que pourquoi? Parce que Boston, c'est une équipe qui est très engagée en défense. Les gars sont très actifs. Si jamais il y a quelque chose qui serait important pour vous de voir, c'est de voir c'est quoi l'intensité en défense, ok? Parce que c'est la défense qui vous fait gagner les matchs. Même si vous voulez marquer les 40-50 points, jouer la défense, c'est super important. Et Boston joue une très bonne défense. Ils sont très actifs, très mobiles. Ça bouge beaucoup. C'est vrai que les gars sont grands. Des longs bras, des longues jambes. Ça couvre beaucoup de terrain. Et non seulement ça, mais les gars sont très actifs. C'est quelque chose que vous devriez regarder. Sinon, dû au fait de la température, guys, la nouvelle que je voulais vous donner, c'est qu'on va se transporter à l'intérieur. On va être en mesure d'avoir du basketball à l'intérieur d'ici une semaine ou deux, si je me trompe pas. Donc, ça va changer un petit peu la dynamique. Non, malheureusement, ça sera pas du 55 pour l'instant, parce que de la façon que ça fonctionne, la Fédération Basketball ne permet pas du 55 intérieur pour l'instant. C'est l'information qui m'a été donnée. Donc, mais il permet du 3 contre 3. Donc, on va transporter le 3 contre 3 à l'intérieur pour l'instant. La situation devrait être évaluée là, décembre, janvier. Savoir si ils vont nous permettre du 5 contre 5. Mais pour l'instant, c'est ce qu'on a. Mais vu la situation avec le COVID et tout, les cas qui augmentent un petit peu là à certains endroits, faut faire ce qu'il faut, guys. Puis ça touche tout le monde, faut être discipliné, guys. Ça inclut nous, ça inclut moi. Donc, guys, suivez les consignes, continuez à porter votre masque, lavez-vous les mains, guys, super important. Soyez prudents, faites attention. C'est pas pour vous, c'est pour quelqu'un dans la famille que vous protégez aussi, guys. Faut être discipliné, c'est super important, hein. Et en même temps, mais je pense pas qu'on veut avoir un confinement part 2 là qui va recommencer puis qui va être encore plus long que le premier. Donc on veut pas de ça, hein. Puis on veut jouer au basket. Donc s'il faut garder les centres ouverts, faut suivre les consignes, c'est super important. Donc, guys, on connaît la manœuvre, hein, pour le channel YouTube. On met son like, notification, commentaire. Et je sais que j'en ai pas parlé souvent, mais
Si vous avez des questions, vous voulez parler et tout, quoi que ce soit, tout ce qui touche le basket ou autre chose, je suis très ouvert. J'ai la page Facebook, hein, Facebook de Scorpion Academy. Vous pouvez aller là-dessus. Je poste des fois des petites choses aussi là-dessus. Instagram de Scorpion Academy. Donc, si jamais vous voulez m'écrire ou quoi que ce soit, mais ben, je vous invite à aller sur une des deux pages et puis on va pouvoir parler, on va pouvoir jaser. J'ai aucun problème. Si jamais c'est pour les workouts aussi, je suis très ouvert. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions, guys. OK? Donc, je vais rouler la tape. Il n'y aura pas de mot de la fin. Je vais laisser la tape rouler en espérant que vous allez aimer ça aussi. Puis, notification, like, guys. On s'inscrit à la page. Le basket continue. Ball is life. Scorpion Academy, make it sting. Hein, il faut que ça pique, il faut que ça fasse mal. Let's go! Go.
nom tu es. Espace. Yes. Non, hey, let's go!